Aujourd'hui, je vous donne des trucs pour avoir l'air plus beau sur vos rencontres sur Messenger, Facebook ou Skype en vidéo. Plein de petits trucs. Bonjour! Alors, vous savez, moi, mon métier à la base, c'est réalisatrice, donc j'ai un souci de l'image. Et là, je vois énormément de gens en FaceTime, en Skype, en Zoom. Puis je me dis, faudrait que je leur donne des trucs là, parce que vraiment, vous n'êtes pas à votre avantage souvent. Premier truc, c'est le plus facile, arrangez-vous un petit peu. Hein? On peut se coiffer, se maquiller un peu si vous savez l'heure, si vous avez une réunion FaceTime ou si vous avez une heure convenue avec les membres de votre famille pour la vidéo. Donc, on s'arrange un petit peu parce que souvent, je vois les gens sur Skype ou sur les plateformes vidéo qui sont là puis qui se regardent, qui arrangent leurs cheveux puis sont comme, ils n'ont pas l'air certains de leur apparence. Ça, c'est comme, on passe un bon moment là-dessus. Deuxièmement, l'éclairage. Vous devez avoir la lumière en face et non pas en arrière. Parce que si vous êtes devant une fenêtre ou devant une lumière, eh bien, on va vous voir à contre-jour. Je vous montre un exemple. Ça, ce n'est pas avantageux pour vous. Là, je suis comme face à la lumière. Vous voyez, un bel éclairage. C'est quand même flatteur, on peut dire. Et ici, je suis devant ma fenêtre. Vous voyez, c'est pas super, on voit pas grand-chose, c'est vraiment pas avantageux. Donc, l'important, c'est d'avoir la lumière en avant de vous, peu importe que ce soit la lumière naturelle du jour, ça peut même être une lampe que vous mettez en avant de vous, et ça va être beaucoup plus avantageux. Troisième truc, il faut absolument que votre ordinateur ou votre téléphone soit au moins égal à vous, sinon plus haut que vous, et à une distance de bras. Comment on fait ça? Eh bien, on peut mettre une boîte comme ça ici. Je ne sais pas si vous allez me voir encore. Ouais. Là, vous mettez l'ordi dessus. Là, moi, je dirais que je suis un peu trop haute. Fait que je le baisserai comme ça. C'est pour mieux me voir. OK. Puis là, ce qui est le fun ici dans Skype, on peut changer le lien, on peut changer le fond. Choisissez l'arrière-plan. Puis là, je peux mettre mon arrière-plan flou. OK, là, c'est flou. Donc, c'est le fun. Ça donne vraiment comme un effet portrait. Je pourrais mettre, tiens, une photo ici. Ah, oh, mon Dieu, à la mer. Regardez. C'est vraiment, j'en reviens pas, là. On voit la mer en arrière. Fait que là, on pense que je suis en Italie, mais non, je suis assise ici. Fait que ça, c'est vraiment hot. Tu peux mettre n'importe quoi en arrière, donc ça rend les vidéos le plus intéressant. Quatrième truc, si vous utilisez un téléphone, eh bien, vous pouvez prendre un petit trépied comme ça, c'est pas cher, pour mettre le téléphone à votre niveau ou un petit peu plus haut, ce qui va avoir l'effet d'amincir votre visage, donc un petit peu plus avantageux. Faites attention, pas trop proche, parce que ça, ces appareils-là, là, vos ordinateurs et vos caméras, c'est des wide angle qu'on appelle, des grands angles. Et si vous êtes trop proche, bien, ça va déformer votre visage, ce qu'on ne veut pas. Alors, je vous donne un exemple. Si on a le téléphone comme ça en bas, eh bien, ça, c'est vraiment pas beau, là. On dirait des joues d'écureuil, ça déforme le visage. Vous voyez très bien. En plus de ça, on ne regarde pas au bon endroit parce qu'on regarde en bas. Donc, on ne regarde pas les autres personnes. Si vous montez un petit peu, déjà, vos yeux vont être à la bonne égalité et votre visage va être pas mal plus naturel et c'est pas mal plus avantageux. Vous allez vous aimer plus. Hein? Une bonne distance. Si j'approche trop, ça déforme le visage, vous voyez. Et voilà, juste un petit peu plus haut, en angle si vous voulez, ou face à une fenêtre, puis le tour est joué. Alors, ce sont des petits trucs tout simples qui vont améliorer votre apparence lors de vos rencontres vidéo. Et si vous les essayez, ben, s'il vous plaît, écrivez-moi en bas et dites-moi ce que vous en avez pensé. Merci, bye bye, à la prochaine.